Thank you.
Alors, on vient de faire un petit carnet, donc qui sera collé. Attends, mes nerfs. Attends, m'accroche. Et elle s'accroche. Bon. Alors, on va la mettre là. 2 minutes. On n'a pas bougé. Alors. Donc, ça, c'est pour votre page de fond. Votre page déco que vous allez coller sur votre page de fond. À la fin, hein. Ça c'est une grosse fifille, voilà. Et donc le carnet viendra se coller ici, voilà. Allez. Donc, et ça je vous montrerai après. Donc le carnet, il fait 18 en hauteur et 5 fois 13 cm en largeur. Voilà. Donc l'arrière, donc vous allez plier en zigzag comme je vous ai montré auparavant. Donc vous allez plier en zigzag, je vais le déplier, voilà, vous voyez. Et voilà. Alors la toute dernière, celle-ci, hein, elle sera collée comme je vous ai dit sur la page. Voilà. Voilà, elle sera collée ici. Voilà. Donc, je vous redirai les centimètres après. Hein. Et donc le carnet lui va s'ouvrir comme ça. Donc ça c'est le devant. Donc, vous allez avoir une première fois comme ça, une photo, deux photos. Une deuxième fois comme ça, 3, 4 photos. Voilà. On le referme et on le rouvre de l'autre côté. Voilà. Une photo, deux photos. Hop. 3 photos. Voilà. 3 photos, 4 photos. Voilà. Et donc quand il sera fixé, ben là ça ira tout seul, hein, mais bon, donc on a au niveau des aimants, on met un aimant sur la première page. Donc là j'ai mis les petits. Hein. On met un aimant sur la troisième page. Donc, 3, 4, 5 et un aimant sur la cinquième page. Voilà. Donc l'autre côté lui va s'ouvrir comme je disais. Arrête les filles. Donc s'ouvre. C'est pas vrai. Mets-toi la bébé. De l'autre côté, donc un aimant. Donc, je vous montre. Vous voyez. Je vais vous mettre des numéros de page, ça va aller mieux. Voilà. J'ai un poil à fifi de collier. Alors, quand il est ouvert, c'est comme ça. Donc là, on va dire que c'est le 1 parce que c'est la page couverture. 2. 3, 4 et 5. Voilà. Donc de ce côté-là, je vais le mettre comme ça. Donc vous aurez un aimant sur la page
1. Voilà. Un aimant sur la page 1. Un aimant. Alors, un aimant à gauche. Quand il est face à vous, voilà. Un aimant sur la page 1 à droite. Voilà. Un aimant sur la page 2 à droite. Page 3, on n'en met pas. Et on en met un. Page 4 à droite. Page 5 à gauche. Je vais vous remarquer tout ça. De toute façon, vous le verrez dans les plans. Alors, page 5. Alors, de l'autre côté, donc on va continuer. Donc là, on était page 5. Donc on repart dans ce sens-là. 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc là, la 6, il n'y a pas de... Ah, ça colle. La 6, il n'y a pas d'aimant. La 7, on met un aimant à droite. La 8, pas d'aimant. Et la 9, un aimant à droite. Voilà, donc là, sur l'envers, il n'y a que deux aimants. Et ils sont à droite, une page sur... enfin, une page sur deux. Donc, après, il ne nous reste plus qu'à préparer les pages de déco. Voilà. Donc, les pages de déco font 17 cm sur 12 cm de large. Et bien sûr, on viendra la fixer comme ça. Alors, la page qui sera collée derrière, voilà, vous voyez, ce sera la page 6. Donc, mais avant de coller, je dois d'abord, sur la page 6, mettre un ruban. Et après, on va coller directement sur la feuille déco. Je vous laisse regarder. À tout de suite.